Je ne sais pas comment tout a commencé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la merde. Bravo! À force de rouler n'importe comment, ça devait arriver! Hé, hey, tu crois que c'en était un? De quoi? Un bison, quoi! Bon, de toute façon, c'est pas grave, je crois que je l'ai bien défoncé. Hein? Là, je crois que tu as défoncé le moteur. Regarde bien, ça c'est quoi? Tu as pas la fumée là? Tu as déconné, hein. Tu as tué quelqu'un. Non, il a l'air vivant. Hein. Les gonzesses, c'est bon, vous pouvez sortir là. Hein. On est arrivé. Bon alors, ok, c'est une situation stressante. Mais il faudra quand même voir à rester poli. Hein. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça Au moins ça s'est fait. Et toi, t'es qui là? Hé, hey, réveille-toi, salopard là. Oh! Je crois qu'il est mort, hein! Mais non, il est pas mort, regarde, il est juste un petit peu défoncé là. C'est drogué, il a walpé et tout, je sais pas, il est chelou celui-là. Non mais c'est quoi ton problème? On peut pas abattre quelqu'un comme ça! Mais il était infecté là! Et puis c'est pas les façons de faire! On lui a même pas dit au revoir! Mais t'as qu'à t'occuper de l'autre à Walp! Mère Teresa, va! Oh putain, je crois que j'ai dormi. Non, pas sur moi! Ah ben non. Désolé pour ce réveil brutal. Moi? Oh, c'est Julien. C'est drôle, tu me rappelles Marc? Qui c'est Marc? Mon copain? Enfin, mon petit copain. Ah, il était pas grand. J'ai toujours voulu avoir un Amina. Ou de petite taille, comme il faut dire. Non, c'est vrai que c'est marrant pour les soirées costumées, tu le déguises en Hobbit, d'office ou en Yoda. Je vois. Lui, c'est Kader, le dernier regagnant du gros magot. Européenne de la chance. Tu regardes jamais la télé? Bah non, j'ai pas trop le temps, je travaille beaucoup. Quoi? Vous parlez de moi là? C'est ça? Vous parlez de mon chèque? C'est ça? Ça vous rend ouf? 185 millions d'euros, vous vous rendez compte ça? 185 millions d'euros, c'est moi qui ai gagné ça. Ah parce que t'as vraiment gagné cette somme, monsieur Richard Molly? Ah ouais, c'est quoi ton problème à toi? C'est un rebeu, il peut pas s'appeler Richard Molly. Richard Molly, c'est mon premier prénom du con. Mon deuxième prénom, c'est Kader, ça va mieux à tout le monde. Voilà, c'est tout. Faut pas s'énerver comme ça, hein, Kader, enfin Richard si tu préfères. Mais d'où je suis énervé là? D'où je suis énervé? Je suis au minimum d'énervage. La dernière fois que j'étais énervé, c'était avant toute cette merde. Et je peux te garantir que j'ai tout défoncé. Et j'étais à deux doigts de violer mes putains de voisins. Alors je suis pas énervé, crois-moi. Hein. Et puis t'es qui toi là? Tu débarques là, en slip, on sait pas d'où tu sors.
Qu'est-ce que tu veux là? T'es qui? Ben moi je suis Michel. Mais ta gueule, je m'en bats les couilles! Rien à carrer quoi, t'es un guignol. Tu vas crever, tu vas pas faire de vieux os ici. Si tu veux, tu peux nous suivre. Mais si tu nous ralentis, je te jure que ça va mal se mettre. Moi, mon but avec ma petite équipe, c'est de foutre le camp en Corse, récupérer le pognon, trouver les big boss de l'européenne de la chance, prendre mon fric et tranquille Emile, ok? Bah, n'oublie pas ta carte d'identité quand même. Eh, hey, toi vraiment, tu commences vraiment à me péter les couilles là. Mais vraiment, tu veux pas que j'amène mon titre de séjour aussi, connard, va? Toi, tu vas apprendre à faire un petit truc, je vais te dire ce que c'est. Tu vas faire comme elle là, tu vas fermer ta gueule. Bouffe-le ton putain de chèque. Il a pas l'air commode, hein? Te fatigue pas, elle entend rien. La pauvre, elle est sourde comme un pot. Alors elle parle pas? Ah si, si, ça peut parler. Elle parle. Bon, ce sera peut-être temps qu'on fasse connaissance, hein? Non? Ah. Chut! Putain, tu vas nous faire repérer par ces saloperies là, merde! Arrête de gueuler! Alpha, au rapport. Envoie 4, Alpha 1. Ce sont des survivants. Je répète, ce sont des survivants. Reçu Alpha 2. Le professeur est avec eux. Négatif, Alpha 1. Aucun signe du vaccin. Ne vous éloignez pas de votre mission, Alpha 2. Continuez les recherches. Attendez, Alpha 1. Je crois qu'ils sont en danger. Ça grouille de zomblards autour d'eux. J'en ai une bonne dizaine dans le champ. Eh putain, maniez-vous le cul, les tarlouses, hein. Si vous accélérez un petit peu, dans 2 jours, on est arrivé à la mer, là. Stop. Vous avez entendu? T'es qui toi pour me dire stop? J'ai déjà dit, hein. Y'a que moi que j'ai le droit de me dire stop. Et mais on nous tire dessus là! Putain, mais c'est pas vrai, ils sont armés maintenant, c'est comme zombies! Putain, ils sont forts ces enculés! On arrose, bordel! On couvre les civils, on tient nos positions!
Merde. Putain, mais y'en a pas un qui peut allumer la lumière là, merde! Bravo Kader, ça c'est du courage. Un vrai leader de fortune. Qu'est-ce que tu racontes de fortune? On dit pas leader de fortune, on dit notre leader fortuné. Ok? Ça c'est correct. Leader fortuné. Regarde-le celui-là. Il ne calcule même plus, toute la journée il la suit comme un clébard. Ouais, non mais il n'est pas si bête Julien, tu vois. Parce que nous pour draguer les filles, c'est un peu le charme viril quoi. Et lui, il est attentionné, tu vois. Un garçon soigné, ça plaît aussi aux filles. Donc c'est pas si con. C'est sûr que c'est pas lui le plus con, quoi. Michel viendrait nous sauver. Eh putain, c'est bon là, vous allez pas vous tailler des pipes toute la journée, hein. On va se faire à bouffer ou quoi? Moi je commence à avoir la dalle, la merde. Hé hey, Julien, je me demandais, le vieux pervers c'est un collègue à toi? Ou alors vous reconnaissez comme ça entre Tarlouse? C'est pas moi qui le connais, c'est Michel. Ouais, enfin, j'ai posé avec toi dans le laboratoire. Ah ouais, t'as une gueule de scientifique. J'ai cru que je ne vous reverrai jamais, mon petit Michel. Cela me rendait triste, mais j'espérais que vous étiez en sécurité, en Australie. Au Mexique, professeur, pas l'Australie. Ah, tu voyages en slip. Enfin, vous voyagez léger, quoi. Bah alors, mon petit Michel, mais faut pas être triste comme ça, hein. C'est peut-être le dernier repas tous ensemble, alors faut profiter, hein. Non? Tiens, tends ton verre. Merci, c'est bon. Voilà. T'en veux, toi? Je n'avais donc pas assisté à ce grand malheur, et tout est allé si vite. L'épidémie, la mise en quarantaine, notre fuite avec Mathias. Vous n'auriez jamais dû revenir de vos vacances, mon bon Michel. Ouais, vous n'avez pas trop eu le choix, en fait. Il faut se méfier de ces créatures. Elles sont terriblement dangereuses. Je me demande toujours quelle faute nous avons bien pu commettre. De quoi? Ça passe de vous, toute cette merde? C'est vous qui avez créé ce virus? Sans remède? Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Mathias en a toujours un échantillon sur lui. Et pour ma part, je garde toute la formule là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, un MacBook! Hey, j'ai le même chez moi. Le gouvernement émet un message tous les soirs. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le virus H21 s'étend désormais à toute l'Europe. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et s'est installé en Corse pour diriger toutes les opérations. Dans ce climat que d'aucuns qualifieraient de morose, nous sommes en mesure de vous apporter deux bonnes nouvelles. Le gouvernement s'engage à geler les prix et à ne pas augmenter les impôts. Mais surtout, sachez qu'un antidote existe. À l'heure où je vous parle, un commando d'élite s'apprête à rapatrier et à mettre en lieu sûr, dans la safe zone, le professeur Amédée Strugoski. C'est moi! Seul inventeur et détenteur du vaccin. Ayons une pensée pour nos commandos qui s'apprêtent à savourer le goût de la victoire. Ils viennent nous chercher, nous sommes sauvés. Vive la France. Et bonne chance. Vous êtes sûr, Michel? On ne devrait pas plutôt attendre les commandos? De quoi? Moi, quoi qu'il arrive, je me barre de la forêt direction la mer.
Michel ? Michel ? Mathias, donnez mon revolver à Michel. Je préfère le savoir entre vos mains. Putain, mais c'est pas vraiment se repérer ! Mathias ! Mais qu'avez-vous fait, Mathias ? Michel ! Michel ! Merde ! Le vaccin ! Michel ! Michel ! Michel ! Ça alors, un Corylus Avellana. Ici, dans cette saison. Dans ces cocasses. Récupérer la picousse qui guérit ou quoi? Jamais on aurait dû l'abandonner. Enfin j'en sais rien moi, ce type s'il faut c'était la dernière chance de l'humanité. Eh tu sais quoi, te prends pas la tête hein. Moi je les connais les scientifiques, tu sais. C'est tous des gros pédés. Mais en vérité ils connaissent que dalle. Oh non les gars, arrêtez quoi. On fait que courir là. Ta gueule. Qu'est-ce qu'il dit?
merde. Barrez-vous, je vais essayer de les retenir. Tout seul? Si tu veux pas qu'on t'aide quand même? Mais tu m'as pas compris? Barrez-vous! Vite! Putain, mais barrez-vous, merde! J'ai foutu! C'est fini là. Sécurité ici? Pas de problème, ça fait 3 semaines qu'on est là. Il n'y a aucun risque. Les murs sont très solides. En tout cas, merci là, de nous sauver la vie. Vous voulez que c'était lui? Ah ouais, moi je veux bien. Non, pas. C'est Rémi qui s'est occupé. Ouais. Je sais pas pour toi, mais pour moi c'était bon. Je peux te prendre une. Une cigarette. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
tout ça va se terminer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la merde. Quelque chose qui m'inquiète. C'est loin la Corse. Sauvage. Le bison est sans aucun doute le plus gros des mammifères de l'Amérique du Nord. Plusieurs millions de ces mammifères au cou bossué erraient autrefois dans les prairies et au pied des montagnes. Daddy is not in the kitchen. Oh, Daddy is in the oven.